Vous n'êtes pas ici. On n'est pas là. La voiture a explosé. Venez chercher les filles, je dois rester ici avec Woodrow. Je suis pas le chauffeur, je suis le grand-père. Où êtes-vous? À Asteroid City, Farm Route 6 au kilomètre 120. Jeunes astronomes et cadets de l'espace, chaque année, nous fêtons la journée de l'astéroïde, commémorant le 23 septembre 3007 avant Jésus-Christ, lorsque la météorite de Larry Plates a percuté la Terre. Oh là là, mes aïeux, c'est Mitch Campbell. Vous étiez excellente dans le rôle de la traînée, dans le bordel qui a une amnésie et qui devient pédiatre. Vous étiez vraiment de tous les personnages que j'ai joués, c'est celui que je préfère. Je sais pas pourquoi personne d'autre l'a aimé. Oh. Que signifient ces pulsations? Quoi? Oh, les bips et les points, on l'ignore. Certaines de nos informations sur l'espace ne sont plus tout à fait d'actualité, mais en tout cas, il y a toujours 9 planètes dans le système solaire à ce qu'on sache, oui, Billy? Mais maintenant, il y a un alien. Que se passe-t-il encore? Je n'en sais rien. J'aime pas la manière dont il nous a regardés. L'alien. Comment il nous a regardés? Comme si c'était foutu d'avance. C'est peut-être le cas. Je viens d'informer le président. Combien de temps ils peuvent nous garder à Asteroid City, je veux dire légalement? Le monde sera plus jamais le même. Un alien qui fait des pompes, un alien avec un haut de forme. Y'a quoi là-haut? Le sens de la vie? Peut-être qu'il y en a un. Vous êtes marié? Non, je suis veuf. Mais dites rien, mes enfants. T'es en train de dire que notre mère est morte il y a 3 semaines? Disons qu'elle est au paradis. Qui n'existe pas pour moi, bien sûr, mais vous êtes épiscopalien. Dans ma solitude, j'ai appris à offrir une foi totale et inconditionnelle à tous les gens que j'aime. Alors je ne sais pas si tu en fais partie, mais ça incluait ma fille et vos 4 enfants. Parfois, je pense que je me sentirais plus chez moi, en dehors de l'atmosphère terrestre. Oh, wow. Moi aussi. Ils sont étranges, n'est-ce pas, vos enfants? Comparés aux gamins normaux? Ouais. C'est exact. Pas faux. J'ai une scène de nu, vous voulez la voir? Hein? J'ai dit oui? Vous n'avez rien dit du tout. Je voulais dire oui, mais ma bouche n'a pas parlé.